Bonjour à tous. Oh my god. Trop ému là. Trop ému, je viens de me réveiller comme d'habitude. Hein. On perd pas des habitudes comme celle-ci. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reprends YouTube. Vous m'avez trop manqué, la vérité. Vous le savez, je suis arrivée maintenant au Canada. Ça fait 2 mois que je vis au Canada. Aménagée dans mon nouvel appartement. Les galères d'argent, ça y est, ça commence à se résoudre. Mais j'ai pas encore tout mon argent, les gars. Et ouais. Je suis encore en train de négocier, hein, mais bon, ça arrive petit à petit. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Et j'ai réfléchi longtemps à qu'est-ce que je vais faire. Et en fait, je vais tout simplement manger dans cette vidéo, de juste déguster avec vous, que vous preniez plaisir et que je prenne plaisir à manger, parce que vous savez que c'est une passion, vraiment j'adore ça. Je vais vous montrer un petit peu ce que je mange depuis que je suis ici, ma petite routine, et vous allez voir que j'en ai pas vraiment parce que bah c'est Mimi Diary hein les gars, je n'ai toujours pas de healthy life, vous allez voir de toute façon dans cette vidéo, donc on va pas plus discuter. En tout cas j'espère que vous ça va, on va commencer à rentrer dans le mood Noël etc, donc comment vous vous sentez pendant cette période là, on commence à manger, on commence à déguster. Miam, miam, miam. Coup, la chose que j'adore le plus faire depuis que je suis ici, c'est d'aller boire un café, d'aller dans des cafés. Les cafés ici, c'est vraiment un truc de fou. Une institution ici, j'ai l'impression. Et je me suis jamais autant bien sentie que dans un café ici. Et leurs cafés sont incroyables. Donc c'est parti. D'ailleurs, mon appartement. Je pense que je sais pas si je ferai d'appartement tour ou quoi, mais je vous montrerai au fur et à mesure, je pense, de la vidéo. Après, c'est le bazar. On vient en coloc. Je sais pas si mes colocs vont regarder cette vidéo, mais c'est des amours. Je les aime trop, mes colocs. Je parle trop. Allez, on y va. Et donc là, ça y est, les gars. On met la doudou, on met les cache-coups, on met tout ça. Il fait froid là. Il fait froid, mais encore, ça va. Je pensais que ça allait être pire que ça. On s'équipe. On s'équipe pour hier. Hop là, il y a. Avec ma soeur, on a une passion. Mais passion. Pancake. J'ai mon petit latte. Ici, on trouve des petites préparations pancake, mais vous pouvez en trouver également, je pense, à Paris, en France. Ça, mais les gars, c'est la magie. C'est la révolution. On met la farine. Avant, je respectais les quantités. Maintenant, je suis au feeling parce que je sais les faire, quoi, donc ça va. On mélange. Donc, une fois la pâte un peu mélangée, vous mettez un petit œuf. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse une vidéo course. Parce que ici, sachez que c'est super cher. C'est vraiment très cher. Donc bref, je continue ma petite pâte, je fais mes pancakes et on déguste ensemble. Pancakey. Elle a même pas vu. C'est le retour. The comeback. Ah mais t'aurais pu me prévenir parce que t'as check ma dégaine. Bah il regarde la mienne. Je suis rouge, j'ai chaud, y'a rien qui va. Voilà, c'est notre quotidien tous les matins. Alors aujourd'hui c'est une vidéo spéciale. Pourquoi? Parce que je mange tout simplement. Ok. Voilà. C'est carré. C'est manger. Pour la vie. Manger. Quelque chose qu'on fait très rarement. Ça part les gars, ça part, regardez ce que je peux faire avec cette préparation. Tout. Est-ce que t'es heureuse ma soeur d'avoir des pancakes ce matin? Non, je suis très heureuse. Elle en a pris combien? 4. 4. 3, j'en prends 3 pour l'instant. Parce que ça, mine de rien, ça bourre. Hein. Ça bourre de fou. C'est pas beau ça. Combien coûte une Nutella ici, Maros? Cher. Cher. En vrai, moi je commence ma journée comme ça, je suis bien après. Je viens de regarder la vidéo de des vibrations. Je disais à ma soeur, c'est la seule fille, enfin la seule youtubeuse que je regarde et qui me fait du bien avec Shera. Déjà son montage est incroyable, vraiment. Elle fait un travail de fou genre, en termes de réalisation, de montage. Et je sais pas comment elle fait parce que vraiment c'est trop bien fait. Elle parle des TCA et sa dernière vidéo est trop bien pour ça. Donc moi d'ailleurs j'ai bientôt mon documentaire qui va sortir. Trop hâte. Voilà notre petit déj de un peu tout le temps. De quasi tous les jours. Sarah on dit quoi? Ciao l'équipe. Les pancakes étaient comment? Délicieux. Il l'a fait mieux que toi. Hein? Pourquoi? Je l'ai fait cramer toi. Il est 14h30 et je pense qu'on va manger. Je vais attendre Sarah, elle sort de la douche. Mais en fait hier on a commandé indien. Donc du coup on va manger les restes. Et j'ai fait exprès de pas trop manger comme ça, j'en ai beaucoup là. Je mange indien ici mais je sais pas, mon ventre il tolère pas du tout. Mais pour autant j'aime tellement cette nourriture que je continue à manger. Ouais, je suis folle. Hein. Vous savez comment je suis? Je ne m'empêche jamais de manger ce que j'aime. Jamais. Ça va, on mange ou pas, là? Ouais, moi, je mangeais. J'ai un peu faim. Moi, surtout hier. Ouais, moi aussi. C'est comme un butter chicken, mais avec des légumes, en fait. Et j'ai pris
un âne à l'ail. En fait, les ânes fromage ici, je les aime pas du tout. Genre, je sais pas ce qu'ils mettent dedans. Une fois, ça m'a tellement écœurée que je crois que j'en ai vomi limite. Non, j'en ai pas vomi. J'ai pas vomi. Je voulais vomir. Donc là, je suis contente de manger un peu des légumes cuisinés. Ah, légumes korma. Ok. Qui trouve que c'est toujours mieux réchauffé le lendemain? Après, un poulet tikka masala. Je vais goûter. Parce qu'hier, j'ai goûté, j'ai pas trop aimé. Bien orange, hein. Ouais. On dirait les Cheetos. C'est pas le meilleur que j'ai mangé. Hein. En fait, je pense qu'il faut que je passe ma vie à manger pour être heureuse. De ouf. Genre, je pense que... Pourquoi tu vas être triste quand tu... Et si le bonheur, c'était ça? J'avais 40 rappelés, genre. En fait, vous savez, nous, dans nos cheese nan, on met genre du kiri. Qu'est-ce que c'est bon. Eux, ils mettent du cheddar. Bah, moi, j'aime bien. En vrai, mon plat, il est bon, il est un peu épicé. Tu peux goûter? Ouais. Tu vas dire t'aimes pas. Bah, ça a beaucoup de goût de légumes. Bah, moi, je pense que c'est ça que j'aime pas dans le truc. J'aime pas. Tellement prévisible, tellement. Ça m'avait manqué de manger devant une caméra. J'avoue, ça date, hein. Ça date de fou. Mmh. Alors, on a une tradition avec Sarah, depuis qu'on est ici. On regarde. Grey's Anatomy. Grey's Anatomy. Team Derek. Of course. J'aime beaucoup Christina. Moi, je vais finir ça et je vais voir si je prends un petit dessert après, je sais pas trop. Eh, c'est vrai, tu trouves pas que j'ai diminué mais ma consommation de sucre? Ouais. C'est ouf, genre. 12 seconds later. Ça, là, ma passion. Nous sommes le soir, je suis partie faire les courses avec ma soeur tout à l'heure, on en a eu pour 170$ pour la semaine. Ça va, en vrai ça va parce qu'on a eu, il y a eu pas mal, en fait souvent dans les supermarchés vous avez pas mal de rabais etc. Donc c'est cool, et ce soir, donc là il y a mon coloc, il y a Soso et Nana qui sont arrivés pour la soirée. On va regarder Harry Potter 2, on se refait tous les Harry Potter là, on est trop contents. Maëlle, 20 ans, je suis au Canada depuis 2 mois et demi. Et coloc de Solène, transition Solène. Transition ma personne. Solène, enchantée. On se fait la bise comme I am enchantée, faut mettre l'extrait, merci. I am enchantée. Enchantée. I am enchantée. C'est tout pour moi, ketchup. Mange quoi ce soir? Mac and cheese, bienvenue en Amérique. Attends, t'as pris des... ça c'est 4 fromages. Mais j'ai déjà fait ça là. Ah mais il y a plusieurs goûts genre. Bah ouais, il y a juste 4 fromages en plus, pareil. On est healthy, mais pas trop. Garlic, garlic hummus. C'est quoi le thème de la vidéo? Je mange. Maman aussi, ma mère, ça tombe. Le pain du Canada. Non, mais j'aime ma mère. Alors, c'est houmous, on a dit quoi? Mmh, à l'ail rôti. Franchement, ça passe de fou. Ok, les gars, on va goûter. Dis-leur. Je leur dis. Les macaroni. Attends, j'ai filmé avec mon iPhone. Congelé que t'as fait cuire chauffer au micro-ondes. C'est ça, j'ai dit. Tu te souviens de ce Lily là? Mais c'était délicieux. Oh là là. Délicieux, avec un D majuscule. En vrai. Arrête. Petit mood. Je pense que ça manque juste un peu de sel. Ah, j'en ai pas mis. Non, mais de base, des trucs comme ça, c'est très salé, tu sais. Ouais. Attends, faut que tu goûtes. C'est bon. Ça, tu sais, quand je suis triste, je mange ça dans mon lit, genre en mode. En vrai, bon, ça va. Ouais, non, franchement, ça va. Tu l'as, il est meilleur. Tu vois, il est bon. Hein. Attends, goûte, tu l'as? Ouais, il est meilleur. Garde-lui pour toi et les autres, ils seront en bas. Combien ça coûte ça? Pas fort, hein. 2,97. Ah ouais? Le rat. Mais tu sais, c'est trop le truc qui est écœurant un peu. Hein. En vrai, est-ce que tu trouves pas que ça reflète un petit peu notre quotidien? Enfin, pas notre quotidien, mais notre vie ici, quoi. C'est un peu tout le temps comme ça. Ici par terre. On est en coloc, on reçoit les amis, la famille. Tout à fait, ça la famille. On regarde Harry Potter, vous êtes pas au courant. En vrai, c'est trop cool, cette expérience, elle est trop cool pour ça, genre. Parce que moi, en vrai, en France, je vivais seule. Ouais. J'étais très souvent seule. Mais tu sais, on m'a souvent dit genre, tu vas voir quand tu te rends compte, c'est un peu comme Secret Story genre. J'adore. Tu sais, c'est un peu... Non mais c'est vrai, mais t'es loin de tes proches et tout. Bah quand tu rencontres des gens, c'est genre très très... Non mais je capte, puis... Ouais, c'est tout télé-réalité un peu genre... Drama in the house. C'est ça. Non mais tu fais un week-end sur tes potes, laisse tomber genre. T'es obligé de faire un débrief de 3 heures en mode... Alors lui il a fait ça, c'est un barjolamé genre. Et non mais une fois, non mais c'était trop drôle, il faudrait que tu m'envoies l'extrait ouais. De quand on s'est réunis dans la cuisine là, et quand on avait raconté, enfin j'avais raconté du coup,
ce qui s'était passé, mais vraiment, c'est trop drôle, quoi. C'est très, très drôle. C'est vraiment genre, on est en famille, c'est bon. Non, c'est très, très drôle. Sur ces belles paroles, on finira avec des Smarties ce soir. J'adore cette vidéo. T'as passé la journée à manger et faire un bâchement de chat. Bah ouais. Bah c'est stylé. C'est stylé, ça vous plaît. Ça a intérêt, hein, parce que elle se la donne quand même. On s'abonne. Exactement. Bang bang, right down, c'est parti. Si on dirait trop, genre il fait froid, alors en vrai, non. Mac and cheese, c'est lequel? C'est 4 fromages ça? Mais je crois que c'est 4 fromages, ouais. 4 fromages, bah pas mauvais, hein. Moi bon, c'est pas de la gastronomie, mais. pour 3$, ça le fait, hein. Mais tu vas finir quand même. T'en veux pas plus? Non, ça y est, moi j'ai bien mangé. Bon, ouais, je vais finir. Non, mais parce que regardez, regardez ce qu'il y a dedans. Je vais dire non, c'est pas possible. Attends, je sais pas si on voit. 4 pâtes. En même temps, j'en ai pris 5. Tu m'as laissé 9, ma mère. Non, mais regarde, on a un autre là. Oui, c'est ça, j'ai pris. Marty. On effacera ce moment gênant. Par pitié, effacez de ma mémoire si tu peux. Très délicieux les Smarties, en dessert. Ok, on coupe, on coupe. Ah, un super dessert. J'ai complètement oublié de faire ma conclusion. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Ça y est, je reviens en force, les gars. On se revoit dimanche pour une prochaine vidéo. Je fais des très gros bisous. Love you. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous.